Ok, mais Diva, donc on va commencer avec sur les UV cristal. UV cristal, déjà, il faut savoir que c'est un lait pour peau sèche. Pour toutes celles qui ont la peau sèche, ce lait ici, il est idéal. Les 5 laits que je vous ai montrés sont des laits éclaircissants, voire blanchissants, hein, à longue durée en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre ça et puis en une semaine expirer blanchi, mais sur une longue période. Et comme il y a des divas qui ont la peau plus facile que d'autres, donc il y a d'autres qui vont éclaircir, voire blanchir rapidement que d'autres. Donc ça va dépendre de chacune son organisme et tout et tout. Donc le lait UV cristal, je vous ai déjà dit au début de la vidéo, ça contient de l'alpha butine, de la vitamine C, de la et puis une protection solaire. Ce qui me plaît avec ça, c'est une protection solaire. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser même en journée, et puis vous êtes là, votre peau est un peu protégée en fait du soleil. Donc c'est ça qui me plaît avec ce lait. Ce lait-ci, c'est pour les peaux sèches. Si vous avez une peau grasse, c'est pas la peine de prendre ce lait-ci. Vous pouvez prendre ce lait-ci à condition que vous le mélangez pour la peau grasse, à condition que vous ajoutez des sérums pour essayer de casser en fait l'effet blanchi et l'effet, je disais que comment, l'effet de peau grasse en fait. Bon, ouais. Maintenant, pour celles qui ont la peau sèche aussi, vous pouvez ajouter un sérum dedans pour celles qui veulent un effet encore plus blanchissant. C'est un lait qui est idéal pour faire les préparations. Et celles qui viennent ici me voir en général, en boutique, elles savent que quand elles viennent pour faire leur propre préparation souvent, je propose souvent ce lait-ci comme base pour faire les préparations parce que c'était un très très bon lait. Donc c'était le premier lait. Je ne suis pas trop tardée dessus vu qu'il y a, il y a beaucoup d'autres à présenter. Donc le deuxième lait, c'est le lait Magné, Skin Magnet. J'adore ce lait. Je l'adore. Il contient déjà du lait, de la butine et puis de l'extrait de carotte. Ce lait-ci, c'est pour les peaux sèches. Pardon, les peaux grasses, pardon. Ce lait-ci, le premier, c'était pour les peaux sèches. Ça, c'est pour les peaux grasses. Cela dit, il est fluide. Pour vous qui avez la peau grasse, il pénètre facilement dans les pores. Il permet de réduire en fait et la graisse, surtout pour celles même qui ont assez de graisse sur le visage. Il permet de réduire l'excès de sébum, je veux dire. Et puis, idéal. Pour celles qui veulent utiliser pour claircir, voire blanchir, comme je l'ai dit, ça va dépendre du type de peau. Il est très bon. Mais contrairement à le premier lait que je vous ai montré, il n'a pas de protection solaire. Donc, ce lait-ci, quand vous allez l'utiliser pour l'effet de claircissement, ça sera que les soirs. Pour celles qui vont l'utiliser matin, c'est que vous n'êtes pas, vous savez que vous ne serez pas exposé en l'horaire de journée au rayon du soleil. Donc, vous pouvez l'utiliser matin, soir. Pour celles qui savent qu'elles ne vont pas s'exposer au rayon du soleil. Mais pour celles qui savent qu'elles ont des courses à faire le jour qu'elles ont assez de courses, c'est pas la peine de mettre en journée, mettez les soirs. Maintenant, pour celles qui vont vouloir un effet encore plus blanchissant, vous pouvez mettre des sérums. Pour les sérums, à mettre dans les laits pour blanchir, je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer vraiment les top 5 ou top 10 des sérums blanchissants que je conseille en fait aux divas et qui sont toujours satisfaits quand il y a ma boutique ici. Donc je vais vous montrer. Donc voici le deuxième lait. Donc on va passer au troisième lait. Le troisième lait, pour celles qui ne savent pas, j'alterne un peu, hein, j'alterne un peu lait peau mix en fait. Ce lait-ci, c'est une peau mix. C'est-à-dire peau grasse l'utilise, peau sèche l'utilise. C'est à base de lait, de miel et de glutamate. C'est un lait qui est pour la peau mixte. C'est-à-dire ceux qui ont celles qui ont la peau sèche peuvent l'utiliser. Celles qui ont la peau grasse peuvent l'utiliser. Celles qui veulent blanchir, si vous voulez blanchir, éclaircir, bon, éclaircir, voire blanchir, ce lait-ci est idéal. Ce lait-ci va faire quoi sur votre peau? Il va nettoyer votre peau. Il va, au fur et à mesure, la première semaine, vous allez voir que votre peau, pour celles même qui ont les pieds hautes, vous allez penser que votre peau, en fait, mue. Votre peau mue, pour celles qui ont assez de peau morte, parce que souvent, il y a des divas qui n'ont pas le temps de faire les gommages, de quoi ils consomment. Donc, vous allez penser que votre peau mue à la première semaine avec le lait. Vous allez utiliser, vous allez voir que le lait pénètre, il est doux sur la peau. Quand tu l'appliques, il sent bon. Et d'ailleurs, même les sélections des laits que j'ai fait là, surtout là, le deuxième lait que je vous ai présenté, lui-même, il sent comme un parfum, en fait. Il sent tellement bon. Et quand elle est agréable, quand elle sent bon, c'est facile de le gommader. C'est facile de le gommader. Même quand souvent, quand vous noircissez, à cause de l'odeur, à cause de la texture sur votre peau, vous voyez que vous avez du mal en fait à vous détacher en fait. Donc, c'est un peu ça. Et ce lait-ci, vous allez voir, il est doux sur la peau. Quand tu l'appliques, tu sens que vraiment, il ne colle pas. Il éclaircit très, très bien. Il éclaircit très très bien. Pour celles qui veulent un effet blanchissement, mettez un sérum de peau au choix là-dedans. Un sérum bien sûr à base de sans hydroquinone, sans corticoïdes bien sûr et tout et tout. Un sérum concentré de fruits ou bien un sérum glutas ou un sérum alpha butine et vitamine C, je sais pas. C'est que pour celles qui veulent un effet vraiment blanchissant, c'est le conseil de faire. Donc on a à notre troisième lait éclaircissant ou blanchissant.
deuxième lait, peau grasse. J'aime ce lait. Lait Diba. J'aime ce lait. Il n'a pas assez d'ingrédients. Il contient que de la glycérine et du lait. Mais il sent bon. Il est bon. Il fait briller la peau. Quand tu l'appliques sur la peau, ta peau brille même. Même le fait éclaircissant et autres, ta peau brille. Ça fait briller ta peau. Ça fait tellement briller ta peau que... Et puis ça apporte un effet laiteux sur la peau. Quand tu utilises quand tu éclaircis, il t'apporte un effet aussi laiteux sur la peau que vraiment j'adore. J'adore ce lait. Pour les préparations, c'est un lait pour les peaux grasses. Parce pour les peaux sèches, le lait, il est très léger. Donc, quelqu'un qui a la peau sèche, vous utilisez le lait, vous allez voir que votre peau sera toujours... Quand vous allez appliquer, ça va pénétrer facilement. Moi, comme ça, j'ai un type de peau. Mon visage est gras. Le reste du corps est sèche. Ma peau. Donc, je sais ce que j'utilise sur mon visage, je sais ce que j'utilise sur mon corps. Je ne peux pas prendre le même produit pour utiliser sur les deux parties du corps. Et de toutes les façons, en général, les laits du corps même ne sont pas conseillés en général sur le visage. Donc, quand vous allez utiliser avec modération et puis avec intelligence, bien sûr, mais tu vas. Donc, voici ça. Celui-ci, donc je disais quoi là déjà, mais sur celui-ci, il dit il est fluide, il pénètre facilement. Il pénètre facilement, il disparaît facilement. Il ne fait pas transpirer. Il ne fait pas du tout transpirer. Et puis, quand il te clessit la peau, il te donne un teint vraiment blanc laiteux. Quand tu clessis de manière laiteux, uniforme. Pour les pommades, là, il y a des gens qui disent non, quand je pommade ici, là, une pommade, quand tu pommades un lait du corps, tu sautes ton genou est noir. Tu sautes ton dos, ce côté est noir. Ce n'est pas une injection, c'est une pommade. Donc, faites de telle sorte que ça touche ta pommade, touche tout votre corps. Donc voici le quatrième. Pour celles qui veulent, vous pouvez l'associer avec un concentré de votre choix, une huile de votre choix. Je parle des concentrés parce que moi je conseille plus les concentrés dans les laits que les huiles en fait. Les concentrés, les sérums, je les préfère que les huiles en général. Donc c'est pourquoi je parle tout le temps de concentré d'huile et de sérum, concentré sérum. Donc on va passer au dernier lait. Le ténélé qui est lait peau sèche et qui a une protection solaire UV. Ce lait, à l'instant des autres, n'est pas blanchissant. À la limite, il va vous éclaircir. Il va vous éclaircir, mais ne va pas vous blanchir. Il est très grand, il fait 750 ml. Il fait 750 ml. Je ne sais pas si la caméra où vous arrivez à voir. C'est un très grand lait. Pour les peaux sèches, il hydrate bien la peau. Il nettoie bien le teint. Il harmonise le teint, il sent tellement bon, il est à base de glutas, de kojic, c'est un lait rajeunissant. En général, vous savez, les laits à base de kojic là, rajeunissent la peau en général. Donc, il est à base de kojic, d'acide kojic. Donc, c'est un lait rajeunissant, c'est un lait en tout cas, c'est une pure merveille celui-ci. Il sent très bon. Et pour celles qui ne veulent pas, c'est idéal pour celles qui ne veulent pas blanchir. Les femmes surtout souvent d'une certaine âge qui cherchent l'éclat du teint, le rajeunissement de la peau, qui cherchent l'effet rajeunissement de la peau, l'effet, on appelle ça comment, brillance, l'effet éclaircissant, mais pas blanchissant, c'est l'idéal. Maintenant pour celles qui vont vouloir l'effet blanchissant, vous pouvez l'utiliser comme base de vos préparations et tout, c'est bon. Et vous voyez, c'est consistant, c'est 500 ml, c'est-à-dire que vous pouvez diviser. Puis tu mélanges une partie et puis laisser une partie que vous allez mettre en journée vu que c'est un écran solaire. C'est une bonne protection en fait solaire UV. Donc vous pouvez l'utiliser. Donc Mediva, ici prend fin cette vidéo Mediva. Voici les 5 laits que je vous ai proposés ici pour 2 laits peau grasse, 2 laits peau sèche, 1 lait peau mix. C'est-à-dire grasse sèche, je peux l'utiliser. Et de véritables bases de vos préparations. Pour celles qui aiment faire leur préparation à la maison, qui veulent faire leur préparation, ce sont de véritables bases pour vos préparations, mes divas. Donc, ici, pour en faire cette vidéo, merci aux divas qui me suivent. Merci aux divas qui sont toujours là pour moi. J'en profite dans cette vidéo pour annoncer le prochain direct. Je pense que le prochain direct sera mercredi. Et le prochain direct va se faire mercredi aux alentours de... On va voir. Mais je songe plus pour midi, entre midi et 2, c'est-à-dire heure locale, c'est-à-dire 14h15, heure ivoirienne, bien sûr. Donc, merci aux divas de rester connectés, de toujours
liker mes vidéos si vous avez aimé, de partager, de s'abonner à mes chaînes Secret de Diva Cosmétique, Facebook, Snapchat, Diva du 25, Instagram, et Diva Rosie. Bisous!